Hello, c'est SnakeX, vous êtes sur xboxlive.fr et on vous fait une petite vidéo pour vous présenter le nouveau casque d'HyperX, le Cloud X, qui est un casque très axé gamer et sous licence Microsoft, comme on peut le voir ici et avec l'affichage de la pub là-haut. Voilà. Et donc, on l'a déjà sorti de sa boîte et il est ici présent dans sa housse et on va vous la déballer tout de suite. Voilà, donc la housse qui est plutôt sympa, là on voit le dessus, on va peut-être voir vite fait le dessous. Voilà, vous voyez, c'est très similaire. Enfin, ça permet au moins de bien le protéger, c'est thermoformé. Et c'est plutôt pratique pour ne pas abîmer son casque et les câbles qui vont avec. Hop, voilà, on l'ouvre. Alors, c'est assez rempli. On commence déjà par deux mousses qui ont un aspect un peu cuir. Voilà, qu'on peut remplacer par les mousses qui sont sur le casque là, qu'on va vous montrer juste après. Alors ensuite, vous avez un câble de 2 mètres, qui en fait est un câble. Hop, on va regarder les prises. Hop, voilà, donc là, d'un côté, vous avez deux prises jack 3 pouces et demi, 3,5 mm pour brancher sur les ports sortie et micro de votre PC. Et ensuite, une prise femelle pour brancher la prise du casque qu'on voit juste là-dessous. Voilà. Bon, ça, c'est pour le câble, c'est pas très important. Ensuite, vous avez le micro qui est là. Voilà, qu'on va mettre de côté. Enfin, on peut voir un peu la petite mousse qui est là. Et la prise jack pour le mettre dans le casque. Hop, on va le mettre de côté. On va le brancher juste après. Et ensuite, on a le casque. Voilà, hop, qu'on va sortir. Donc, vous voyez, il y a un beau fil en nylon quand même bien pour bien protéger le câble. C'est pas juste un fil un peu plastifié, un peu caoutchouteux. C'est vraiment un beau câble en nylon. Voilà, donc là, hop, on regarde un peu le casque. Donc, on a le logo HyperX sur le côté. En dessous, voilà, on a la prise pour brancher le micro. Hop. À l'intérieur, hop. Donc là, on a les mousses en tissu. Donc, contrairement aux mousses en cuir, enfin simili-cuir, voilà. Donc, vous avez le choix. Hop, en fonction de ce que vous préférez. Voilà, on va voir un peu. Voilà, on le tourne. Voilà, on voit vraiment un design en alu. Donc, super léger. Il fait un peu plus de 300 grammes de mémoire. Voilà, on va voir le dessus du casque. Voilà, avec le logo HyperX, donc avec des petites coutures, c'est bien joli. Voilà, et donc on peut le régler. Hop, tiens, je te laisse tirer vers le bas. Voilà. Voilà, on peut vraiment le régler en hauteur, comme on veut, pour un max de confort. On va brancher le micro, qui est là. Donc en dessous du casque, on a, voilà, un petit cache qu'on peut enlever. Donc à vous de mettre ou non le micro en fonction de l'utilisation. Donc vous pouvez l'utiliser sur votre Xbox One, sur votre PC, ou encore même sur votre téléphone. Hein. Il peut servir pour faire du kit piéton. Hop, il faut bien appuyer pour qu'il soit dedans. Voilà. Voilà, ce qui nous fait un casque. Voilà, qui est une belle présentation. Un micro hyper flexible. Hop, voilà, ouais. Vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Vraiment très agréable et puis vraiment, on va l'ouvrir un peu le casque. Voilà. Et vraiment super confortable. Bon, on reconnaît la couleur verte, bien typée Xbox, pour montrer que le casque est bien sous licence Xbox. Voilà, c'est plutôt super bien fini. Hop, le micro. Voilà, bon, c'était une petite présentation du casque HyperX Cloud X. Donc, vous pouvez lire le test, hein, qui bien évidemment est sur xboxlive.fr. À très bientôt, ciao!